ce matin, j'ai pas eu cours, j'y suis allée à 8h, sauf qu'en fait, mon cours était déplacé. Enfin, en fait, on était trop. Du coup, moi, ils m'ont mis au cours de vendredi après-midi. Donc du coup, j'ai pas eu cours ce matin. J'en ai profité pour aller courir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un compte en banque. J'ai fait mes numéros de sécurité sociale et tout l'administratif que je repoussais. Du coup, là, j'ai eu le temps de le faire ce matin. Et donc, du coup, là, je vais aller en cours. Normalement, j'ai bien cours cet après-midi à 13h jusqu'à 15h45. Et du coup, ensuite, j'en ai un autre de 16h à 18h45, mais il est en visio, il est sur Zoom. Donc, je pense que je vais essayer de rentrer ici si j'ai le temps. D'ailleurs, du coup, j'ai préparé mon sac, je vais vous montrer. D'habitude, je prends tout le temps un tote bag, mais là, du coup, j'ai pris mon sac classique. Donc, il est un peu plein. Donc là, il y a mon ordinateur. J'ai pris des feuilles au cas où. Ça, c'est mes chargeurs qui dépassent un peu. Et en vrai, ce sac est super pratique parce qu'il y a une petite pochette devant. Et c'est un The North Face. Oups, il est comme ça. Et du coup, là, j'ai mis ma bouteille d'eau et mon petit parapluie de l'autre côté. Et puis, voilà. Oh. Bon, tant pis. Tombera la pluie. Hein. Du coup, je vais mettre ces chaussures là. Là, il y a mes tongs parce qu'elles vont pas. Et puis voilà. S'il y a bien un truc que j'ai ramené de France et qui est vraiment pratique, c'est ça. C'est genre un bento. Et du coup, puisque je travaille le midi, j'en ai obligatoirement besoin d'un pour faire mes lunchs. Et là, pour l'université, bon, là, du coup, j'ai pas cours le matin. Mais quand je vais avoir cours le matin aussi, ça va être pratique parce que du coup, je peux mettre mon repas dedans. Puis il y a deux bacs en gros. Et puis il y a les couverts au-dessus. Du coup, voilà. Il va falloir que j'y aille. Il est quelle heure là? Il doit être midi et demi. Et j'ai cours à 13h. J'ai 5 minutes pour y aller, donc ça va aller. Mais bon, ce matin, j'ai galéré à trouver ma salle, donc je pense que je vais y aller tout de suite. Comme ça, je vais être sûre d'être à l'heure. Est-ce que c'est bon? Oui. Hop. Bon, du coup, j'ai fini mes cours. J'ai eu mon deuxième cours, du coup, en visio. Il est 17h30. Et là, je pars à Walmart acheter des cahiers pour les cours, quoi. Parce qu'en fait j'ai plein de choses à faire et il y a beaucoup de choses où en fait on a le droit à des cahiers pour par exemple des sortes de contrôles mini quiz au début des cours, on a le droit d'avoir des petits cahiers, des petits carnets de notes, donc je vais aller acheter ça parce que du coup demain j'ai cours et après jeudi vendredi je travaille, donc ça va pas être possible. Donc là j'y vais. Walmart ça ferme à 9h, donc j'ai largement le temps, mais mon coloc il rentre manger. Enfin, il rentre ici à 19h45, donc j'aimerais bien être là dans 2h pour manger, quoi. En tout cas, mes cours sont bien. J'ai beaucoup de travail à côté. Enfin, je m'en doutais. Genre là, c'était que le premier cours. Enfin, du coup, j'ai eu deux cours, mais le premier, on nous a donné un livre à lire de trentaine de pages. Enfin, c'est un petit essai, quoi. Et avec, on a un contrôle au prochain cours. On a 1h30 de vidéos à regarder sur... sur quoi? Sur Photoshop, je crois. Sur comment utiliser le logiciel. Et on a un questionnaire à faire avant dimanche. Donc, c'est beaucoup de travail à la maison. Et là, pour l'instant, ça me paraît énorme. Mais je pense que si je suis bien cadrée, que je travaille bien, ça devrait se faire. Du coup, je vais aller acheter mes cahiers à Walmart. Et je vais vous montrer tout ça après. Je vais pas vous emmener avec moi. Oh, si, peut-être avec mon téléphone, ça sera mieux. Bon, à tout de suite. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien du tout. Si, peut-être là en vrai. Mais c'est nul ça. Coucou. Bon, du coup, je suis rentrée et j'ai trouvé mes cahiers. Du coup, je ne les ai pas achetés à Walmart parce que ils coûtaient un peu cher. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, pas des trucs qui me plaisaient. Du coup, j'ai pris des petits canets comme ça à Dollarama. Je les ai payés 1$, je crois. 1,50$. C'est là que je les ai payés 1,25$. Ils sont moins chers, ceux-là. Et genre, c'est des carnets comme ça avec des petites lignes. Du coup, c'est pratique. J'en ai pris 3. J'en aurais sûrement besoin d'autres. Et puis, je vais aussi avoir besoin d'acheter des livres. Là, j'ai un livre en anglais, je sais acheter. Donc, il va falloir que j'aille acheter. Et puis, voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à bientôt.